Fonseca de Malewa Moderne vous dit bonjour. Émission à Mamou Malewa Moderne. Mounou pecha bonso moyo. Moyo yenou banabeto bonso batubakula. Ni bonvoi mouakuluwa tchiluba. Nous sommes là en présence de nos maïs. Vraiment, c'est la saison. Nous en profitons vraiment, c'est la saison pour consommer les maïs qui sont encore frais. Et voilà, nous consommons ça sous plusieurs formes. Et cette fois-ci, nous allons consommer ça en bouillie, la fameuse tchipodi podi. Cette fois-ci, nous allons pas préparer tchipodi podi avec du sucre et du lait, mais il y a une autre façon de faire. Nous allons préparer ça avec, bien sûr, il y aura du sucre pour sucrer un peu notre bouillie, mais nous allons préparer ça avec arachide. Voilà, pour ingrédients, qu'est-ce que nous aurons besoin? Nous aurons besoin de maïs, nos maïs frais qui viennent vraiment des champs, les arachides qu'on a déjà séchés, les arachides déjà séchés, ceux qui sont vraiment prêts pour griller ces genres d'arachides. Voilà, c'est ce que nous allons utiliser dans notre tchipodi podi. Besoin aussi du sucre, sans oublier de l'eau bien sûr. C'est ce qui va nous permettre à bien faire notre cuisson. Voilà. Voilà, c'est tout ce que nous aurons besoin pour faire notre recette d'aujourd'hui. Voilà. Et nous passons maintenant à une autre étape. Et nos arachides sont là. Vous voyez, nos arachides là sont des arachides qui ont été préalablement trempés, mis dans l'eau depuis hier. Donc, début hier soir, nous avions mis ça dans l'eau. Et ce n'est que ce matin ici que nous venons de les égoutter. Donc, il y a des façons de mettre l'arachide dans les tchipodi podi. Comment vous pouvez, soit comme nous venons de le faire comme ça, vous trempez à la veille, vous mettez dans l'eau et le matin vous égouttez et vous préparez avec. Ou soit vous les prenez tel que j'avais montré à la présentation des ingrédients. Vous prenez ça tel que ça a été là, vous mettez dans les mélanges, vous préparez. Parce qu'il y en a ceux qui veulent vraiment que ça reste un peu là, croquant en mangeant, qu'ils sentent les arachides. Vraiment, vraiment là. Là, il ne faut pas tremper. Nous avions trempé. Nous avons voulu que ça cuise vraiment, ça soit aussi douce comme les maïs. Que ça soit vraiment la même chose en mangeant. Vous sentez la même chose que les maïs. C'était vraiment pour vous apporter vraiment une petite différence de ce genre de mettre arachide dans la bouche. Je suis en train de dégrainer un peu nos épines de maïs, comme vous voyez là. Les enlever des épines. Et après là, nous allons chercher à les piler dans les mortiers pour faire notre bouillie tchipodi podi.
Et il faut chaque fois prendre soin d'enlever un peu tout ça pour que ça ne dérange pas la bouillie quand on va le faire. Et en enlevant, il faut être un peu vigilant, ne pas trop ancrer. Si vous en profondissez, vous risquez de prendre ce qui n'est pas bien. Donc, il faut juste enlever les grains. Nous avons besoin de grains de maïs et nous allons les piler comme on l'avait fait l'autre fois avec les petits podipodis qu'on avait mis au dilé. Mais avec ça, nous n'allons pas mettre les laits comme j'avais dit là. Nous allons ajouter les arachides. Voilà, comme nous avons récupéré nos grains, maintenant, nous allons chercher à les piler. Voilà, mes grains sont là. Et nous allons passer maintenant à une autre étape pour les piler. Et comme nous avons récupéré les grains, nos grains de maïs, nous les mettons dans les mortiers, cherchons à les écraser, nous pilons jusqu'à les écraser. Mais il y a une maman qui m'a dit, des fois il préfère aussi que les grains ne soient pas totalement écrasés en mangeant, qu'ils sentent aussi quelques grains entiers aussi de maïs. Et surtout quand on met aussi les grains d'arachide, elle m'a dit que c'est très bon comme ça. Alors nous allons essayer de les écraser, mais pas jusqu'au bout, en cherchant à ce que d'autres restent un peu entiers. Voilà. Nous pilons jusqu'à ce que nous verrons que ça va. Nous allons enlever de l'immortier. Voilà. Vous voyez, j'ai enlevé du mortier le maïs que nous venons d'épiler. Nous les avons pas écrasés totalement. Et nous ajoutons encore les arachides. Voilà, nous allons porter tout ça au feu. Et nous allons voir l'évolution. Et après un certain temps, on va se mettre à tourner. Voilà. Et nous ajoutons aussi du sucre. Et quand nous allons continuer à tourner, nous allons commencer à tourner. Et tout se mélangera très bien. Nous surveillons toujours la cuisson de notre podipodi. À chaque fois, il faut toujours ouvrir et essayer de tourner. Donc, il faut tourner souvent pour éviter que ça ne puisse se couler en bas. Et le mieux serait d'utiliser la casserole anti-adhésif pour bien faire cette jarre de bouillie. Voilà. Notre bouillie est prête et notre podipodi est prête. Et si vous remarquez bien là, nous n'avons pas vraiment trop bien écrasé les grains de maïs, comme ça a été vraiment l'idée de notre maman, qui a dit des fois il préfère aussi que les grains de maïs, quelques grains de maïs soient visibles
Et en croquant les arachides, on peut au même moment croquer aussi les grains de maïs. Ça fait du bien dans la bouche. Et une grande partie des maïs est écrasée. Voilà. Ce ne sont que quelques grains que nous avions laissés vraiment expressément. Voilà. Et c'est Chipodipodi aux arachides. L'autre fois, nous avons fait au lait. Voilà. Et il ne reste qu'à vous dire bon appétit. Nous vous souhaitons bon appétit. Merci. Et restez scotchés sur notre chaîne Moseka de Malewa Moderne. Nous vous disons merci, likez et abonnez-vous sur notre chaîne. Au revoir. Chipodipodi aux arachides. Merci beaucoup Balandia Tono TV ne makambo te sebno ke non oza Tono TV mon abotamier Tono TV kala mingi te boko sepela na kata Tono TV boko mon raba théâtre te boko mon raba gagite na kata Tono TV boko mon na biloko ndenge na ndenge basango ya mawa basango ya bisengo na kata Tono TV kaka ndetro baye ke non Tono TV za mystique hein na bana Congo partout le monde entier Tono TV yeye boya mbangone sengu bo s'abonner bo s'abonner na busani pete Global TV na kata Moscou hein Global TV na busani Francine Vemba hein na kata Bruxelles na busani te Joël le botecole na busani te na kata Paris binonso tu Lili oya Farnes Mayamba na busani pete petite sœur na ngai Kondo oya motema ya gi et pe bozali na busani te lisusu na kati ya Tono TV beaucoup de sous ya na ngai Roger Lomponda Dodi Lobs na bosani te ya tantine bana Moseka émission Moseka de Malheur Moderne toujours beaucoup mon na kata Tono TV engaye na bosani te Gino de Mukwata Kwata Viva Brutal bangonyo sote pa bazali talaka kata Tono TV bo s'abonner chaîne na bino ya sika Congo yoka Europa yoka Africa yoka Oka fungola matoyi Tono TV na nga Tono TV na ye Tono TV na biso Toyambangona esengo Na busani te cameraman Oya filmaka jezi tango azoteya Kiwa Ana 17 apamba ana no minerbo Kiwa zo filme bilo kutubo omona oyo Toye bisimu kake Tono TV bo s'abonner Boko mona babilo kwa kitoko Ah emisyon mose kade male wa moderne Muteko change ba donne Ya Olamba, Engaye, Naleli, Kiwa, Toleka. In my feet, it's now or never, 'cause the future's open. Très heureux de vous retrouver très nombreux. Le fidèle qui passe l'émission Moseka de Malewa Moderne.